Non, c'est parce que c'est pas ça. Ben oui, on arrive à C'est d'être mère et père à la fois. Côté paternel, je dirais que je suis ravi de l'installation et de l'aboutissement du projet d'Emmanuel. Ça, j'en parlerai pas plus parce qu'elle est là pour vous en parler. Et bien sûr, côté mère, eh bien, je me réjouis au nom de la municipalité d'une installation telle que celle-ci sur la place de Saint-Savin. Quelques siècles, je dirais, une dizaine, des peintres avaient envahi la voûte de notre abbatiale qui aujourd'hui nous amène 60 000 visiteurs l'année. Donc il n'y a pas de raison que la peinture contemporaine prenne pas place sur le site de Saint-Savin. Eh bien, moi aussi, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter ce collectif d'artistes. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour chacun, à la fois pour leur travail bien évidemment, mais aussi pour leur personnalité. Tous ont vraiment des techniques assez originales. Et donc c'est ce qui fait vraiment une unité dans ce groupe. Avec Lydie et David, nos complémentarités ont vraiment permis la création de cette galerie d'art contemporain. Un grand merci à Xavier Jallet, qui se trouve à ma droite, Marie-Laure Morin, qui se trouve, je ne sais pas, lui, qui est ici. Ensuite, Amélie Langrand, qui se cache derrière. Oui, c'est ça, c'est bien. J'ai besoin de...